Objet. SCP-49J. Classe. Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-49J est confiné au site 19, site 101, site 17, site 81, site 13, dans la zone top secrète MK Ultra très restreinte de haute sécurité de la région de la masse continentale 101.5 WFML proche de Richmond en Virginie. SCP-49J est autorisé à quitter sa cellule seulement sous la supervision de deux gardes armés de fusils AR-15 et de matraques électriques. En raison des préoccupations olfactives du personnel affecté à SCP-49J, l'entité n'est plus autorisée à enlever son masque. Description. SCP-49J est une entité humanoïde portant la tenue traditionnelle d'un docteur médiéval de la peste. Des analyses plus poussées de SCP-49J ont révélé qu'en dessous de sa tenue, l'entité est composée principalement de mousse, de bourre de tissu et d'autres petits masques de docteur de la peste. Il est généralement conciliant avec les membres de la Fondation, mais il va parfois mentir et occasionnellement transpirer abondamment sans aucune raison. Durant sa captivité, SCP-49J a continuellement affirmé qu'il était un puissant médecin sorcier magique, capable de soigner tous les maux de l'humanité. À ce jour, il n'est pas capable de soigner quoi que ce soit, et ne fait généralement qu'aggraver considérablement la situation. Bien que cela ne suffise pas pour que la Fondation détienne indéfiniment SCP-49J comme une entité anormale, il s'est également révélé capable d'échapper à sa capture et d'échapper au site de la Fondation après que son manque de capacité ait été démontré. Pour cette raison, et en raison de la curiosité inébranlable du personnel quant à savoir s'il possède l'une des capacités de guérison magique autoproclamée qu'il décrit, SCP-49J doit être logé et traité comme une entité anormale. Addendum 049J.1 Interview. Bonjour, SCP-49J. Bienvenue. Je suis un docteur. Oui, je suis au courant. Nous allons simplement faire... J'ai le remède. Oui, d'accord. Nous en parlerons. D'abord, pouvez-vous me dire votre nom? Oui, très bien. J'ai le remède, mon bon monsieur. Oui, je suis un docteur. Quoi? Amenez-moi au patient. Je vais le guérir. Mon Dieu, regardez! Bon sang! Faites attention, vous balancez ça! Je suis le remède. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, j'ai compris. Vous êtes un espèce d'idiot, n'est-ce pas? Non, mon bon monsieur. Je suis le plus efficace. Je veux dire, mon remède. J'ai le remède. Très efficace, le meilleur. Car je suis un docteur. D'accord, nous allons voir ça. Commençons... Cette patiente? Ah, la peste, oui. Je peux la sentir. Ah, mal de gorge. Nous vous demandions si vous connaissiez un remède pour soigner ces maux. Oui, bien sûr. Je suis un docteur, après tout. Besoin d'aide? Non! Pas le remède, je suis le remède. Ah, oui. Cela va faire l'affaire. C'est une chaussure. Oui. Ça va soigner cette personne? C'est le remède. D'accord. Allez-y. Patiente est soignée. Quoi? Non, elle n'est pas. Vous avez juste écrasé sa gorge avec une chaussure. Non, la patiente va très bien maintenant. Oui, je suis le remède. Regardez tout ce sang. En mettant de côté le fait que cet acte est immoral, ça va prendre des heures à nettoyer. Vous avez juste tué quelqu'un. Non, elle est soignée maintenant. Bonjour, oui, je suis la patiente, non, bon, monsieur, je suis complètement guéri. Merci, docteur, vous avez fait du bon boulot, vous êtes le meilleur des docteurs. Non, mais attendez. J'envoie votre main, là. Je sais que c'est pas la patiente qui parle. Qu'est-ce que c'est censé être? Oh, regardez. Encore plus de peste. Quoi? Pousse. Merde, il s'est encore échappé. Pousse. Des vidéos postérieures à l'incident montrent SCP-49J faire une sortie rapide par une porte latérale. D'autres vidéos recueillies dans une ville des alentours
montre que SCP-49J s'est arrêté dans une quincaillerie pour prendre un bâton de docteur en bois encore plus pointu.